Bah c'est sa chenille qui est venimeuse, donc oui, il va se balader tranquillou au musée, mais c'est comme les abeilles et les guêpes, au moins t'es tranquille, elles te piquent pas quand t'es au musée. C'est comme les mygales et les scorpions. Enfin, je crois que les mygales, elles ont leur propre enclos. Enfin, les tarentules, pas les mygales. Oh, un cadeau! J'ai réussi à en capturer un. Et le premier que j'avais croisé, il m'a chopé par surprise et il m'a piqué. C'est le deuxième que j'ai réussi à choper. On dirait un sandwich. Un gros poisson. Naturellement, c'est un bar. Je vais aller vendre tout ça et craft les appâts du coup.
Oui. Alors. Il faut que tu aies la recette. Là, la recette du piège. C'est mauvaises herbes et branches d'arbres. Et après, tu le plantes comme si tu mettais une fleur, un arbre ou si tu remettais quelque chose en terre. Et à partir de là, tu pourras faire tomber les villageois là-dedans. Je sais plus si c'est un villageois qui me l'a appris ou si c'était via un ballon. D'abord, si j'ai lu, j'ai lu le chat, hein, il va. Si tu veux, je pourrais t'en ramener, je pourrais t'en craft et je t'en ramène quelques-uns si tu veux t'amuser à piéger les habitants. T'as eu le piège dans un ballon, toi? D'accord, donc ouais. C'est fort possible que je l'ai eu via un ballon aussi. Il a pas l'air en parler. Ah zut! J'essaie de me concentrer et de pas regarder le poisson et de faire ça qu'au son, mais des fois je me rate quand même. Ouais, mais si je le fais au visuel, c'est pareil, j'ai peur de me tromper parce que je vais voir le poisson qui mord le truc et je vais croire que ça va être bon, donc du coup je fais ça au son. Coucou bébé. Coucou. Bah alors. Elle a la tête dans le cul.
Viens me voir mon bébé. Ah! Ah! C'est embêtant. Une super conversation. Alors là, pour le choper. C'est bon, il n'est pas tombé dans l'eau. Une chaise d'étude. C'est une chaise. Ah ouais, du personnalisé, ça remet le compteur à zéro. Ah, ça, je savais pas ça. Tu boudis Maëlys avec les pièges, ah bah bien. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas fait grand chose, mais j'ai quand même réussi à choper le poisson papillon, enfin le poisson arc-en-ciel, je veux dire, et le papillon.
Il manque plus que le poisson jaune et vert et j'aurai ma liste complétée. Donc ça va quand même. Ah oui, non, mais c'est les deux mots qui se mélangent. Même si le poisson papillon existe. Là, c'était pas le cas, c'était pas le poisson papillon dont je parlais. Ouais, il me manque plus que le poisson jaune et vert et j'aurai complété la liste du mois. Donc je ne désespère pas, j'y vais avec mes petits appâts quand j'en trouve. T'as tous les poissons du jeu, nice. Sarah, toujours là. Pas de soucis. Amuse-toi bien. Des bisous. Mais oui, elle est cute, Sarah. Même si des fois ses papiers peints et ses sols sont un peu bizarres, mais. Oui. En japonais, c'est il comme Carla. T'as eu un sol sublime. Oh, nice. Moi, j'ai eu un sol de parking. Pour Bianca, je sais pas. Pour Bianca, je sais pas, mais pour Carla, ouais. Pour Carla, ils l'ont féminisé comme Sarah, mais Bianca, je sais pas du tout. Pas de soucis, des bisous, à plus tard. Oups. Toujours pas. Aïe. Faustine, c'est une autruche, non? Un truc comme ça? Ah bah oui, ça avec les codes couleurs. Mais du coup, c'est stylé, ouais. Oui, elle est rouge et jaune, c'est ça? Si je me trompe pas. Bah après, ça aurait été compliqué de faire une apparence de phénix, je pense.
qui a Sora? Tu veux un câlin? Alors, il veut un câlin, mais il se met en mode me touche pas. C'est-à-dire qu'il se tapit quand je le caresse et il évite ma main. Mais il veut des câlins. Du coup, je pense qu'il sait pas ce qu'il veut. T'es un peu concon, hein. Oui, t'es un peu concon. Je suis encore fatiguée. Oh, plus qu'une demi-heure pour le poisson. Ah, pas bien. Se moque de moi, ce poisson. T'as sauté des problèmes de batterie, c'est chiant ça. Du coup, elle cherche très lentement. Et y a pas moyen de voir ça avec le service à l'après-vente? Oui, avec le confinement, oui. Non, c'est vrai que j'avais oublié ce détail. Bébé. Je l'ai eu, le papillon. Indigeste, je l'ai eu. Zut! Vas-y, fais ses cartons. Oh, pauvre chou. Je peux venir dans ta ville pour voir si je peux le recruter? Même si j'ai pas de place, peut-être qu'il viendra au camping et que je pourrais faire en sorte qu'il dégage quelqu'un. Je finis juste ma séance de pêche comme il est presque 4 heures et puis dès que ça marche pas. Ah. Ah, dommage. Bon bah tant pis. Je pensais qu'il viendrait peut-être au camping en attendant, mais ah, tant pis.
Ouais, il va dire qu'il n'y a plus de place, ouais, c'est dommage. Ah oui, c'est vrai, il y a juste un pneu. Faudra quand même qu'on m'explique comment est-ce que Marie arrive à dormir sans tomber. J'ai presque fini de rembourser mon prêt. Comment elle fait pour dormir comme ça? Moi, si je dormais comme ça, je serais en train de me casser la gueule dans un sens ou dans l'autre. Elle est magicienne. C'est un pneu nul, ouais. Même un pneu beaucoup. Eh ben, ils vivent dans le bureau des résidents. Peut-être que le bureau des habitants a un étage et qu'ils ont chacun leur propre chambre à l'étage de la mairie. Peut-être qu'elle vient d'une autre île et que tous les jours elle fait le chemin en bateau. Oui, avec l'avion, oui, pas le bateau. Léa, c'est l'oursonne, c'est ça? Je crois que j'avais déjà checké ça ce matin ou en début de stream, je sais plus quand c'était. Mais non, ils sont pas flippants, mes chats, ils sont mignons! Il y a Mistigris, il y a Momo, il y a Kiki, ils sont choux!
Mais non! Il a pas de problème d'œil, Momo. Il est comme ça. Je m'en fous, je les aime. Même Grognon et Prince, je les aime, je m'en fous. D'ailleurs, je me suis amusée à regarder un peu le prix des cartes sur eBay. Et bizarrement, les cartes de Momo, Grognon et Prince, elles sont à genre 3 euros max. Alors que des cartes pour les animaux plus mignons, ça peut aller jusqu'à 25 euros la carte. J'étais là, je fais, waouh, putain! Du trafic d'animaux. Il est quelle heure? 37. Bon, je vais chercher encore un peu des appâts. Mais oh. Bon, je vais aller fabriquer les appâts vite fait. Robert, je vais voir la tête qu'il a. Ah oui, lui! C'est pareil, lui, il est vachement recherché, Robert. Ah, attendez, excusez-moi.
Voilà. Allez, presque fini. Ouais. Oui, ça, le craft plusieurs, c'est vachement attendu. Tant de petits poissons. Thank you.
D'accord. Et c'est un quart d'eau. Bon, eh ben ce sera pas pour aujourd'hui le poisson. Bon, tant pis. Annès, du coup, tu penses que c'est bon ou pas? Parce que moi, je vais m'arrêter de stream, donc si tu penses que c'est bon, on peut peut-être s'échanger un code dodo, sinon c'est pas grave. Je m'arrangerai autrement, il n'y a pas de souci. Ah ouais, la vache. Oui, j'ai Discord. Enfin, j'ai mon Discord. J'ai mon serveur, quoi. Bon, bah du coup, moi je m'arrête là. Je pense que je vais peut-être aller me reposer un petit peu. Du coup, des bisous tout le monde, bon après-midi. Et puis on se retrouve demain si tout va bien pour plus de pêche jusqu'à ce qu'on obtienne ce foutu poisson. Allez, portez-vous bien, des bisous et à bientôt!